Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne, puisque aujourd'hui, on va parler sabre laser. Donc, je vais vous présenter un tout nouveau sabre, tout nouveau modèle, en partenariat avec Sabre Galactique. Souvenez-vous, il y a un an et demi à peu près, je vous avais présenté un modèle, un sabre laser en partenariat avec la boutique Sab Wars, qui entre-temps est devenue Sab Neo. Donc on était sur un sabre à moins de 100 €, et franchement, pour le prix, j'avais été plutôt satisfait. Et il y a quelques mois, je vous avais présenté un modèle Sabre Galactique. Alors c'était un modèle Elite, puisqu'ils ont deux gammes. On a la gamme standard et la gamme élite, sachant que la gamme élite reprend le design des sabres qu'on peut retrouver dans les différents films Star Wars par rapport aux différents personnages. Donc je vous avais présenté le modèle Luke Skywalker qui était à 289 €, je crois, de mémoire. Et là, j'ai décidé de tester les sabres de la gamme standard, c'est-à-dire les sabres à moins de 200 €. Donc là, on n'est pas sur les versions élites, on est vraiment sur les versions standard. Et le but, ça va être de voir ce que nous propose Sabre Galactique pour moins de 200 €. D'autant plus que je vous fais profiter d'une petite offre avec le code NAWAK10 qui s'inscrit là à l'écran. Donc ce code vous permet d'avoir une réduction de 10% sur le sabre que je vais vous présenter, mais également sur tous les modèles. Donc c'est un code qui s'applique sur tous les différents sabres que vous pouvez trouver sur le site. Voilà, vous avez moins 10%. Donc sur ce modèle là qui est à 189 € je crois, hein, ou 199, je crois que c'est 199 €, ça vous le ramène à 179 €. Donc voilà, c'est quand même pas trop mal. Donc n'hésitez pas à saisir le code NAWAK10, mais tous les liens seront dans la description ci-dessous. Donc on passe au déboxage et on inspecte tout ça, c'est parti. Alors, c'est arrivé très rapidement, c'est arrivé en 3 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc, Sabre Galactique, c'est pour ça, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs le gros point positif du site par rapport à Sab Wars, qui est devenu entre-temps Sab Neo. C'est le délai de livraison, qui est vraiment, vraiment très rapide. Alors, le sabre est arrivé dans un carton de surprotection. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que j'aurais fait un retour par rapport au modèle de Luke, où j'avais reçu le sabre directement dans le carton d'emballage et il n'y avait aucun carton de surprotection. Et je leur avais dit que c'était pas très cool, qu'un surcarton de protection, c'était quand même un peu plus, en termes de sécurité, c'était quand même un petit plus, non négligeable. Donc visiblement, ils ont écouté mes commentaires, puisque le sabre est emballé dans un surcarton de protection. Et là, on a le carton de protection. Voilà, je vérifie si on n'a rien d'autre. Non, c'est bon. Alors, on a le packaging. Voilà, on a un étui de en carton, qui est quand même sobre mais efficace. On a la mention Sabre Galactique sur le côté. Le carton n'est pas abîmé. Voilà, alors que le modèle Luke Skywalker, il me l'avait envoyé directement comme ça. Il n'y avait aucun carton de protection. Du coup, il y avait eu quelques accros au niveau de l'emballage. Donc, voilà. Non, franchement, c'est quali, hein, ça va. Alors, il s'agit du modèle Crimson. Donc, dans la gamme standard, ils ont plusieurs versions. C'est-à-dire, vous avez la version Sith. Donc là, c'est ce que j'ai pris. Et vous avez la version Jedi. Mais attention, hein, encore une fois, on n'est pas sur les modèles, on n'est pas sur les versions Elite. Elite, c'est vraiment les sabres qui reprennent le design des sabres des personnages des films. On est sur la gamme standard, mais même sur la gamme standard, vous avez différents designs. Vous avez tout ce qui est Sith et tout ce qui est Jedi. Alors, on a
une notice. Voilà. Donc d'un côté, vous avez tout ce qui est guide d'instruction. De l'autre côté, vous avez les différents modèles qui sont proposés à la vente. Voilà. On trouve également... qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve le câble de recharge, une clé Allen et un jeu de petites vis qui vont vous permettre de fixer la lame au manche. Donc, encore une fois, c'est complet. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser immédiatement. Ah si. Alors, au niveau de la lame, donc comme d'hab, ça ne change pas. On est sur une lame polycarbonate. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos. L'avantage du polycarbonate, c'est que c'est une matière qui ne casse pas. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment... cogner. Alors évidemment, il ne faut pas cogner comme un bourrin. Donc au niveau des assauts, vous pourrez, si vous faites du combat de sabre par exemple, ou même de la démonstration, vous pourrez frapper. L'embout ne s'enlève pas. Vous avez un embout ici. Non, ça va, franchement. Non, ça va. On passe du côté du manche. Alors comme vous voyez, c'est bien protégé, hein, franchement, vous avez des morceaux de mousse, ici aussi, franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et bien voilà. Donc voilà le fameux Crimson. Donc comme vous pouvez le voir, noir, avec des lignes rouges, ici et ici. Et si j'aime beaucoup ce modèle, c'est notamment par rapport aux broches, on va dire, aux dents qui sont ici. On a 6 dents, et ces dents apportent un plus au design du sabre. Alors, au niveau de la matière, on est sur de l'aluminium. Voilà, c'est propre, ça ne baffe pas. On a le haut-parleur qui est situé en dessous. Ici, vous avez le bouton marche-arrêt et au-dessus, le connecteur pour recharger votre sabre. Vous avez la possibilité de dévisser cette pièce. Et là, vous avez accès directement à la lampe. Voilà. À manier avec précaution parce que les broches quand même c'est en alu et ça pique. Donc il faut quand même faire attention quand on le manipule. Et à l'arrière, voilà, vous avez le petit haut-parleur. Sachant que vous avez la possibilité de brancher un connecteur ici, à la place de ça, qui vous donnera la possibilité de connecter un autre manche, pour ceux éventuellement qui voudraient avoir un sabre double lame. Et cette partie-là aussi s'enlève. Voilà. Et ici, on a, en dessous, on a tout ce qui est système de batterie. Que les broches ici, ça apporte un plus et ça donne presque une identité au sabre. Bon, je vous propose de le monter rapidement et puis on va passer vite fait aux essais. Ça y est, j'ai monté le sabre. Alors c'est très simple, hein, vous prenez les petites vis avec la clé Allen et vous les mettez dans les petits trous, les différents trous que vous avez là autour des broches. Et ça va vous permettre de bloquer la lame. Alors, on va voir. Donc là, un appui long, le sabre est enclenché.
Si vous voulez l'allumer, il me semble qu'il y a deux possibilités. Soit vous rappuyez, ou soit vous avez un démarrage manuel. Voilà. Donc, on a différents modes, on a plusieurs couleurs de disponibles. On a le mode blaster. On a le mode flash clash. Donc flash clash, ça provoque des flashs lorsque la lame rentre en contact avec un objet ou une autre lame. Vous avez différents capteurs de mouvement. Et ensuite, au niveau des couleurs, alors je sais plus comment on fait. Voilà. Vous avez plusieurs couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 couleurs au total. Il me semble qu'on peut changer les sons. Ah si, on a le... On dispose du mode voice effect, du mode sound effect. Vous voyez, là on a un mode... On a un son différent. Donc en fait, il faut l'éteindre et à chaque fois, il faut laisser le doigt appuyé. 1, 2. Ah ouais, donc en fait, c'est... Non, c'est plutôt cool. En fait, vous avez un mode sound effect. Donc en fait, à chaque fois que vous voulez changer le son, vous éteignez le sabre, vous laissez le doigt appuyer 2 secondes et automatiquement, ça vous met une voix de personnage issu des différents films Star Wars. Mais en plus de ça, ça vous met la voix du personnage et le son du sabre qui correspond au personnage. Voilà, alors attention, on n'est pas sur du néopixel, on n'a pas un allumage progressif. Idem, quand on éteint le sabre, il ne s'éteint pas de manière progressive. Donc franchement, ça va. C'est plutôt complet pour le prix. C'est correct au niveau du son. Voilà. Que dire d'autre ? Bah non, belle surprise de sabre galactique. Donc bien évidemment, si ce sabre vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et je vous offre un petit code promo qui vous permettra de l'avoir à 179 €, je crois, quelque chose comme ça. Sachant que le sabre est garanti 1 an. Sabre Galactique est très à l'écoute de sa communauté. Ils sont présents sur Instagram, sur Facebook. Ils ont un numéro de téléphone, je crois. Mais en tout cas, sur Facebook, notamment via Messenger, ils répondent très, très rapidement. Donc, si vous avez le moindre problème, si vous voulez leur poser, si vous avez le moindre renseignement à leur demander, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont très réactifs. Au niveau de la garantie, franchement, ça va.
J'avais eu un problème une fois avec le modèle de Luc et il m'avait proposé un échange. Et en fait, c'est moi qui m'étais trompé au niveau de la manipulation. Mais ça va, ils sont vachement arrangeants. Donc s'il y a un problème avec le sabre, ils vous le changeront immédiatement. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes intéressé par ce modèle? Est-ce que vous connaissez Sabre Galactique? Est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce modèle? Est-ce que vous le possédez déjà? Est-ce que vous possédez des sabres laser d'autres marques? Je suis particulièrement content de vous avoir présenté ce modèle parce qu'en termes de prix, ça m'a permis de vous présenter différents sabres correspondant à différentes tranches de prix. Donc n'hésitez pas ci-dessous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce modèle? Je vous rappelle que je vous offre un code promo NAWAC10 qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur ce modèle-là, mais également sur tous les modèles présents sur le site. N'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait toujours, toujours très, très plaisir. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!